En français, Midofi signifie « nous sommes ici ». Et pourquoi ces filles et fils de la communauté Afouan-Oku sont-ils là? C'est à cause des réalités culturelles de leur milieu d'origine. Et l'une des activités phares de notre réseau, ce sont les retrouvailles. Parce que avant de se connaître, avant de se donner la main, il faut un moment pour se retrouver et parler. Et pour ces activités, nous avons l'habitude de célébrer nos rituels, nos rythmes traditionnels, la Konrun, Zeli, Potiebou. Nous allons faire les louanges de panégyrique clanique à Komlamlan en fond. Deux communications ont marqué cette deuxième édition. Elles portent sur le développement de la commune d'Abomey-Calavi. La ville d'Abomey-Calavi connaît une explosion démographique et il y a des problèmes liés forcément à cette explosion démographique qu'il faut régler. Et parmi les mesures que nous avons proposées, nous avons souhaité que, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, que la mairie revoie un peu son système d'adressage qui fait que les impôts ne sont pas payés par beaucoup de personnes. Nous avons aussi souhaité que le document d'avenir de la commune soit revu et que ça prenne en compte les nouvelles infrastructures qui seront installées. Nous sommes en train de préparer ceux qui ont à charge la municipalité d'Abomey-Calavi aujourd'hui et ceux qui demain vont prendre la charge aux défis qui les attendent vu les nombreuses réalisations prévues au PAG par notre président. Voilà notre contribution, voilà l'innovation de cette année. L'initiative séduit le maire qui rassure les organisateurs. Un seul doigt ne peut rien faire. Midofi ne peut exister et impacter le monde, révéler notre pays que si en notre propre sein déjà, nous nous connaissons, nous nous donnons la main. Et je voudrais, au nom de tout le conseil communal, au nom de tous ceux qui sont venus ici, féliciter les organisateurs et leur dire que nous sommes ensemble. Mais c'est toujours particulièrement un sujet que j'agite. Il s'agit de la planification familiale. Faudrait-il que nous ayons plus d'enfants que nous avons d'infrastructures? En attendant d'avoir la réponse à cette question, la fête se poursuit autour des spécialités culinaires de la communauté Afouan-Oku